J'essaie de rejoindre la partie. Je me fais avoir par le courant et une putain de requin qui veut me bouffer. Sylvano, viens me chercher. Mais je peux pas là, je peux viens absolument. Je peux absolument pas. Comment je nage? Je me fais manger. Essaye d'avancer. Mais change je peux les pas. Touches. Je change peux les pas. Touches. Je vais couler. Change les touches. Oh mon dieu, elle va se faire tuer. T'es morte? Oui. Hello les petits chats, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo un peu particulière puisque je ne suis pas toute seule. Je suis avec Sylvano, ça fait déjà un petit moment qu'on voulait faire une vidéo tous les deux mais qu'on n'avait pas forcément eu l'occasion ni le moment de le faire. Donc là c'était le timing, c'était le bon moment. Donc je l'ai kidnappé, je lui ai dit maintenant tu viens faire une vidéo avec moi, tout de suite. C'est pas vrai, on n'a pas fait comme ça. Et là j'adore parce qu'il est en train de me parler dans mes oreillettes mais vous l'entendez pas parce que je l'ai muté. Et du coup il me fait trop rire. Salut Sylvano. Bonjour, c'est génial, j'ai parlé dans le vent, tu vois, c'est parfait. Non, vous rassurez-vous, elle m'a pas... Mais oui, mais je pensais que tu m'avais démute depuis. Mais c'est pas grave, très bien. Bon, ça va? Bah ça va, alors juste avant de commencer là, vous allez voir un tout petit passage en fait. Je venais d'arriver dans le jeu, je suis tombée dans l'eau, je me suis fait manger par un requin. Ça a duré 3 minutes. Ouais, c'était très rapide, c'était très drôle. Donc là, je vais essayer de pas remourir tout de suite. J'ai fait mes touches et puis bah, je vais découvrir le jeu puisque Sylvano m'en avait parlé et moi je ne le connais pas du oui, tout. Bah parce que moi j'y avais joué quand il était, il y a plus d'un an, quand il était en bêta ou en alpha, je sais plus. Et là, il vient de sortir il y a pas très longtemps. Et il y a du multi notamment et donc c'est assez sympa. Donc en gros, le but, je t'explique rapidement. On est sur un radeau et le but c'est. On est sur un tout petit radeau là. Voilà, pour l'instant. Genre t'avances, tu meurs, tu recules, tu meurs, il y a des requins qui se baladent de partout et des décrits. Exactement, exactement. Alors l'île, je sais pas si on pourra y aller, honnêtement. Peut-être que si, en fait. Peut-être que si on pousse notre radeau par là, on pourra. Mais l'idée, ça va être d'agrandir notre radeau via les crafts, essayer de se faire à manger, de l'eau, enfin, plein de choses, tu vois. Et en fait, avec ton clic gauche, tu peux récupérer. Il y aura tout le temps. On retombe pas, attention. Regarde. Il y aura perpétuellement des choses dans l'eau comme ça que tu peux récupérer. C'est ça qui va te permettre de crafter les choses. Si ça a pas changé, on va pouvoir faire une maison, des lits pour faire passer la nuit, un feu de camp, même des filets carrément. On va pas rester sur un truc de 2 mètres par 2 mètres quoi. Ah non, à la fin on aura un palace. Alors déjà, je peux te dire que je suis en train de mourir de faim, que j'ai très soif et que je me sens pas très très bien. Voilà, mais après je. Bah, moi aussi. Mais alors, regarde, va voir un petit peu dans ton inventaire. Tu vas voir. Mais il vient de bouffer les pieds. Mais c'est quoi ce truc? Attends. Comment est-ce qu'on le tape déjà? Je sais pas. J'en sais rien. C'est toi qui connais. Moi, je sais juste qu'il est en train de nous bouffer le radeau. Non, je suis tombé. Non, vite, non, il va te manger. Remonte. J'arrive pas à remonter. Dépêche-toi. Oh, mais le jeu a tellement changé, je sais reviens. Plus. Reviens, vite. Attends. T'es près du radeau. Tu tiens le bon bout. On va mourir de faim avant cette nuit, mais tu tiens le bon bout. Je le vois. J'arrive pas. Mais j'ai beau sauter, j'arrive pas à remonter. Bon ben, bah, adieu. Leave me alone. Attends, j'arrive pas à monter. Tu nages très bien. Oh, mais regarde où on est. Mais n'aurais-je... On est sur l'île. Mais n'aurais-je pas totalement cassé le jeu? En fait, j'ai poussé le radeau. Attends, je suis sur l'île, mais je crois que c'est... Ah si, bah si. Mais attends, mais j'ai fait un truc qui était pas prévu, normalement. Tu penses qu'on a pas le droit d'aller sur l'île? Oh, je sais pas, mais en tout cas... Il y a une caisse là, tu penses qu'il y a à manger dedans? C'est possible. Attends, moi de toute façon je vais mourir, hein. J'arrive pas à sortir, pourtant j'ai beau sauter. Ok. Ça a l'air compliqué là, attends, parce que moi, il faut absolument que je récupère cette caisse qu'il y a devant, parce que là je suis sur la fin du monde là. Ah là. Ouais. Attends. Chope là, on va mourir, je vois flou. Oh, le requin. Et moi je suis mort de toute façon. J'en peux plus. Mais je suis mort, mais monte, viens sur l'île. Et le radeau, c'est pareil sans nous, hein. Mais je peux pas monter sur l'île, j'ai beau appuyer sur espace pour sauter, ça veut pas. C'est... allez. Oh là là là. Ah bah voilà, je suis mort. Abandonner et réapparaître. Et j'ai réapparu. J'ai réapparu sur le radeau, oui. Oh là moi, j'ai plus peur du requin, là. Je te vois. Voilà, attends, il faut qu'on arrive à crafter des choses. Bah écoute, là pour l'instant, je suis en train de nager dans les profondeurs. Il y a le requin qui va me manger, là. Adieu. Alors, déjà, voilà, je fabrique des choses, t'inquiète pas, j'ai fabriqué un gobelet vide, remplir d'eau de mer. Je sais pas si t'as vu, mais quand même, on a plus de radeau, quoi. Oui, mais justement, je suis en train, regarde ce que j'ai dans ma main. Oh, y'a un truc derrière, regarde, c'est quoi ça? Ça a l'air trop bien, là-bas, des ravitaillements et tout, là. Oh, ah ouais, non, mais non, mais... Je crois que tu veux pas qu'on y aille à la nage? Tu crois pas qu'il y a moyen d'aller au radeau, là-bas? Vas-y, on y va. Vas-y, on y va. Tu vas te faire croquer, hein, il est derrière toi. Ouais, j'ai presque plus de vie. Je cours, j'y vais à fond. T'es mort? Ouais, je suis là. Salut. Moi je suis sur le radeau mais je sais pas comment on grimpe là-dessus. Je suis au-dessus, c'est bon, t'as réussi. Ok, bon je suis pas sur le même radeau que alors, toi. Alors par mais... contre c'est un radeau qui coule. Non, c'est un radeau qui coule. On est les pires, c'est pas possible.
Attends, en fait, les débuts sont toujours un peu complexes, mais ah oui, non, mais là, ça... c'est plus compliqué, là, c'est... Non, mais ça va aller. Oh, ah, j'ai récupéré une caisse avec des planches et tout, mais je sais plus parfait. Où est... Mais on coule. Ah, je sais alors, plus où voilà. Ah, voilà. Regarde, attends, voilà, là, j'ai récupéré, voilà, je me rappelle. En fait, si tu récupères les tonneaux, tu récupères plein de choses dedans. Et en fait, ce qu'il va falloir faire dans un premier temps pour survivre, c'est boire et manger. Pour boire, en fait, j'ai un petit gobelet. D'accord. Sauf que l'eau est salée. Super. Le truc, si je me rappelle bien, il va falloir faire un feu de camp pour pouvoir faire évaporer l'eau ou faire un... J'ai confiance, mais je sais plus du tout voilà, où est le radeau et je sais plus du tout où t'es. Je suis perdu au milieu des océans, là. Alors, je suis sur notre radeau. Ouais, je te fais confiance. Et je te crois. Je mets le purificateur. Je te vois. T'es là-bas, j'arrive. Je vais essayer de survivre jusqu'à toi. Il n'y a pas de requin pour l'instant. Je le sens bien, là. C'est bon, je suis en train, t'es où toi? Je te vois pas. Je nage vers toi, je suis pas tout près, mais je vois que t'as fait un petit feu et je suis sur le dossier là. Qui nous donne pas mal de choses. Mais moi je suis en train de tout ramasser. Il m'a trouvé. Oh là là. Tu vois, je saute derrière toi, je saute. Je lâche pas la vie. Je te vois. Alors, petit carré de terre. La fille elle vit dans l'eau quoi. Attends, j'ai trop peur moi, de faire croquer. Regarde ce que je vais faire. J'arrive. Je suis en train. Ça y est, j'ai de quoi construire sur le radeau. Je vais récupérer le tonneau qui est à côté. Oh mon dieu, il veut me croquer. Il me croque encore une fois, c'est fini. Hein. Tu me vois mourir devant toi là. Ouais, je te vois là, t'es pas loin de moi. Je suis pas on va pouvoir agrandir le radeau, on va être beaucoup mieux, t'inquiète pas. Les débuts sont toujours un peu complexes. Par contre, il y a la nuit qui arrive. Je sais, mais moi je veux juste arriver sur le radeau. Regarde, je suis juste devant toi. Dis-moi qu'il n'y a pas de requin. Je suis là. C'est bon. Saute. Non. Saute. Viens, saute. Non, j'y arrive. Il est pas là. Attends, passe devant. Passe par l'avant. Vas-y, saute. C'est bon. Ouh. Alors attends. Déjà regarde, là normalement, si je dis pas de conneries, je remets des planches. Remplir d'eau douce. Voilà, j'ai de l'eau douce et du coup je peux la boire. Super. Et ça me redonne. Voilà, et ça me redonne ma. Ok, parfait. Alors attends, on va y arriver, sauf qu'on voit plus rien. Mais... Alors moi je sais pas comment je lance ma canne à pêche là, comme tu fais toi. Alors, clic gauche. Tu laisses appuyer clic gauche. Tout simple. Et là, normalement, je sais pas. Non, mais dans tous Parce les cas, là, attends, je vais mourir de faim sur le radeau devant tes yeux. Hein. Attends, ça, regarde. Rien. On va faire un feu de camp. Il manque des cordes pour faire un feu de camp. Essaye de regarder si tu peux pas, toi, faire un feu de camp avec ce que t'as. Alors, bah là, à part mourir de faim, je peux pas faire grand chose. Je peux retirer ce truc là. Ouais. Comment tu interagis avec cette petite bestiole là devant moi, là, ce petit four automatique que nous avons au bout du radeau? Alors, comment j'ai fait ça? Attends, retirer. Placer... Ah ouais, non, mais complètement. Regarde, attends, je vais faire du feu. Vas-y. Entre guillemets, du feu. Je vais placer le gobelet. Voilà, j'ai du feu, mais ça n'éclaire pas du tout. J'ai pas l'impression que moi, il me laisse... Si, c'est parce que toi, en fait, t'as pas de gobelet. J'ai crafté un gobelet d'abord. Ah, c'est parce que j'ai pas le gobelet. Okay. Voilà, depuis le début, j'avais pas de grappin. On me dirait, regarde, il y a l'autre, il nous tape dessus là. Ah ouais, alors attends. Tape-le. J'essaie de le taper comme ça. Non, mais... On me dit rien, moi je pense. Oh, au revoir, Stéphano. Et non, parce que j'ai pas pris ce qu'il fallait. Ah bah je suis mort. Moi j'étais persuadée que mon grappin je l'avais de base et tout, alors qu'en fait pas du tout. Mais je pense que t'as dû le perdre à un moment. Est-ce que t'arrives à le crafter le grappin? Crochet en plastique, il te faut des planches, il te faut une planche et deux plastiques. Au pire, attends, je vais choper du plastique. Normalement je dois avoir ça, crochet fabriqué. Voilà, j'ai mon crochet. Voilà, et avec ça tu peux récupérer tout ce qu'il y a. Voilà, tu laisses ça appuyer veut, avec les gauches. Nous. Voilà, et comme ça on va pouvoir agrandir, on va pouvoir aussi. Se faire des... Mais non, mais je pensais que t'avais un grappin de base. On va pouvoir se faire des lances, tu vas pouvoir faire des filets, tu vois, ça va aller mieux. Les débuts sont complexes. La première nuit, souvent, elle est un peu compliquée. Mais ensuite... Je crois que je l'ai jeté, mon grappin. Mais non. Je te jure. En fait, je crois que mon clic gauche, c'est pour jeter. Du coup, à chaque fois que je veux le lancer, bah en fait, je m'en débarrasse. C'est pour ça, change ça tout de suite. J'ai plus de grappin, je l'ai jeté dans la mer. Non. Attends. Je te jure. Stone axe, marteau... Je peux t'en refaire un. Ah, je suis gentil. Hein. T'es gentil. Bah, fais-en. Tiens. Normalement, est-ce que je peux le jeter par terre? Ouais, tu peux le récupérer, ça, je pense. Ok, donc là, je l'ai. Voilà, là, on tu l'as. Le mien va bien. Je ne clique pas sur gauche, du coup. Ce serait dommage de le jeter, celui-là. Surtout que je veux pas ouais, te faire peur. Ah, mais ça, tu vois. Ah, mais ouais. Non, regarde. Là, pourtant, ça a l'air de. Non, pourtant. Ouais, là, ça a l'air de marcher. On voit tellement rien. Par contre, c'est pas facile de pêcher, hein. Faut pas se mentir. C'est. Ah, mais tu peux le laisser au large, hein, le temps qu'il attrape des trucs. Oui. Alors, attends. Est-ce que il faudrait qu'on arrive à fabriquer. Parce que là, on a besoin des trucs de base, sinon on s'en sortira pas. Guide de cuisson, il manque deux cordes. Est-ce que t'as deux cordes avec toi? J'ai une corde. Éventuellement, je la. Attends, je la veux peut-être bien, ouais. Après, on pourra faire des coffres aussi. D'accord. Donc t'inquiète, ça va aller, on pourra se faire un. T'es Minecraft sur l'eau, le truc. Mais c'est ça, on pourra faire un feu de camp. D'accord. À part requin, on va même pouvoir faire de quoi taper le requin à la fin. Des pagaies, lance en bois. J'avoue que le requin, il est un peu en train de nous manger notre radeau, quand même, depuis le début. Oui, mais... Parce que là, notre radeau a encore rétréci, enfin, c'est vraiment juste, on est sur un carré, là.
Ouais, mais là, alors tiens, je vais te faire crafter un truc. Ouais. Tu vas voir. Va dans ton inventaire et va au niveau du marteau. Le marteau, normalement, il te faut 4 planches et 2 cordes. Je suis sur le dossier. J'ai même pas cette planche là. Je récupère déjà du matériel. Alors vas-y. Ouais, prends des planches. Je suis un peu pauvre là. Le jour arrive là, de toute façon. Le jour se lève. Ah, mais regarde, c'est joli. Ouais, c'est beau. C'est tout beau. Et normalement, en fait, avec le marteau, si t'as des planches de bois, tu vas pouvoir poser des. Regarde, je te montre maintenant qu'il fait jour. Tu vois là devant? Par contre, je suis en train de mourir de faim. Oui. Moi aussi. Donc, et le marteau, il faut combien de planches? Dis-moi. Alors, attends, je vais regarder. T'as fait tomber des. 4 planches et une corde. J'ai fait tomber quoi? Mon grappin ton... Oui, heureusement, je te les récupère. Mais comment il tombe tout seul, lui? Je sais pas comment tu fais. On va agrandir le radeau pour éviter qu'il y ait des problèmes. Ah, grave. Hop, voilà. Ah, on peut récupérer 2 planches en même temps et tout. J'ai un problème. Par contre, on n'est pas du tout en train de manger ou boire, quoi. On est vraiment sur le... Je ramasse les déchets qu'il y a autour et on verra, quoi. Pour l'instant, on n'est pas en train de boire. Mais en fait, tu vois, c'est pas ultra punitif parce que même si on meurt, on revient pile poil là. Ah, j'ai un truc à manger, j'ai l'impression. Oui, moi aussi, j'ai des sortes de radis. Je vais essayer de les manger ou de les faire cuire. Attention, le requin, il est de retour. Ouais, pareil, j'ai mangé les radis. Et tu vas voir, attends, je vais essayer de faire... Est-ce que je peux faire la stone? Non, c'est pas la stone. Ah, moi, je te fais confiance, lance. Moi, je suis pas une fille chiante, tu sais. Je vais attraper des petites planches. Vas-y, attrape des planches. Attends, priorité, il faut qu'on se fasse un coffre. Ah, ça, c'est le. Le mec ne veut pas du tout manger, il veut se faire un coffre. Mais c'est-à-dire qu'en fait, avec un coffre, au moins, on pourra rassembler nos affaires. Parce que là, pour le moment, on est un petit peu. Tiens, tu vois, genre ça, il faut impérativement le prendre. Voilà, ça donne plein de trucs, des pierres, de la planche, des pommes de terre crues. Oh, un plan pour faire un récepteur. On en a de la chance, on va manger des pommes de terre crues, quoi. Écoute, il faut bien démarrer quelque part. Cessez de vous plaindre. J'ai soif. Est-ce que je peux boire ton petit verre d'eau là? Alors oui, regarde, tiens, je vais t'apprendre à le faire. Prends le verre d'eau qui est là. Bah voilà, j'ai plus de crochet. Touchant. Ça fait 3 fois que mon crochet il est balancé. Regarde, il est là-bas, le petit coffre là-bas. Tu le vois, il s'en va, mon petit gobelet. Ah, je le vois même pas, mon moi. Mon petit crochet. T'as le gobelet qui est là, derrière toi, dans le sac. Ah. Oui. Et t'as encore droppé un truc. Bon, pour l'instant, lui, je peux pas le dégager, mais. Donc avec ça, ce qu'il faut que tu fasses, normalement, prends de l'eau. Avec. Non, bois pas de l'eau de mer, hein. T'as bu de l'eau de mer. Je sais pas. En fait, il faut que tu remplisses le gobelet d'eau et ensuite que tu le mettes sur le truc. Oui, t'es en train de tousser. Écoute, Eh, tu sais que je suis en train de récupérer absolument tout ce que tu droppes. En fait, t'es en train de dropper plein de trucs. Pourquoi je droppe quoi? Bah, à chaque fois que tu récupères un objet, tu fais tomber un paquet. Non, mais il y a forcément un problème quelque part. Hein. Tu vois, le gobelet, il est retombé là. Il est où? Bah, je sais pas. Oh là là, alors attends, il faut qu'on agrandisse ça. J'en peux plus de nous. Alors attends. Voilà, bon, alors je sais comment mettre de l'eau et oui. J'ai besoin de recréer du coup. Oui, vas-y, recréer. Alors, exactement. On a bien avancé. Tu vois, j'ai fait une lance, donc comme ça je vais pouvoir empêcher le requin de nous attaquer. Et j'ai pu un petit peu. Ah, je sais pas si on peut le bouffer, tiens, c'est une bonne question. Et j'ai pu augmenter encore une fois, tu vois, la taille de notre radeau, donc ça commence à aller mieux. Ouais, ouais, je sais pas ce que t'en penses. C'est bien. Je suis très contente d'être coincée sur ce radeau avec toi parce que moi il se passe des choses, voilà. Voilà, il y a des attaques de requins. On a atteint, mine de rien, on a atteint la petite île. C'est pas mal ça quand même aussi. Ouais, j'avoue. La petite île dès le début. Vas-y. Priorité sur les gros ouais, coffres si t'en vois. Ah, regarde. Oui. Barre-toi! Je suis en train d'attaquer le requin. Oh là 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 là, ce petit requin. Voilà. Par contre, bon, il a un petit peu abîmé le truc, mais. On va finir par lui donner un nom là. Il vient nous rendre visite un peu trop souvent, je trouve. Ah, j'avoue. Faut qu'on lui trouve un nom. Donnez un nom dans les commentaires. Trouver un nom à ce requin, ouais. Parce que... Moi, il m'a quand même déjà mangé gentiment 2 fois, si possible. moi une fois. Hop. Alors, attends. Là, tu dois commencer à avoir pas mal de trucs, toi, non? Ouais, j'ai quelques petits trucs. Non, pas mal de trucs, non. C'est un grand mot. J'ai encore de la place dans mes cases, hein. Parce que pendant très longtemps, j'ai balancé mon crochet au lieu d'attraper des choses avec. Alors attends, on va faire un truc. Est-ce que tu as du plastique sur toi? Oui. Est-ce que tu peux me le dropper, s'il te plaît? On a le radeau qui tangue. C'est très stressant. Oui, c'est un peu gênant. Alors, je te pose ça par terre. Voilà, tiens, ça doit être du plastique. Là, t'en as combien du plastique? T'en avais. Ah, parfait. Regarde ce que je suis en train de faire, du coup. On va faire. Est-ce qu'il est? Il est là. On va le mettre. On va le mettre plutôt au milieu pour l'instant. J'aime bien ce qui était avec ton petit doigt. On va le mettre là. Voilà. On va le mettre là. Regarde, je l'ai mis au milieu pour l'instant parce que le requin il attaquera pas le milieu pour l'instant. Donc. Ouvrir et là on peut mettre tout le bazar, c'est ça? Bah, voilà, comme ça on va pouvoir un petit peu ranger. Moi, tu vois, la première nuit était complexe, mais là ça va mieux. Oui, ah bah là on va passer une super nuit, hein. 4 étoiles ce radeau. Ah bah oui, non mais au moins, tu n'as pas idée. Au moins. Alors attends, la prochaine étape, je dirais que c'est. De faire un grill de cuisson. Alors pour faire ça, il me faut encore 3 cordes. Okay. Un grill de cuisson, d'accord. Donc là, on va se faire des petites grillades de poisson bientôt, c'est ça? Voilà, c'est ça. Génial. Histoire d'être bien. Et normalement, ça devrait nous éclairer, je crois aussi. J'espère en tout cas. Je suis tellement nulle à la pêche. Ah, je suis nulle. Y a rien. Et la pêche, tu peux le laisser hein, si jamais. Ouais, je sais, mais merde, même quand je le laisse, il se passe rien quoi. Tiens, toi là. Ouais. Oh, tu vois? Attends, il le faut.
Il le faut, il le faut. T'as vu ? Non mais oui, mais je suis la pire quoi. Faut laisser appuyer à fond. Y'en a un autre derrière, y'en a un autre, ouais. Vas-y, je le chope. Ah, je pense que je suis trop loin. Ah, je suis trop loin là, je pourrais pas. Dommage. Et si jamais tu fais clic droit, t'as pas besoin de le ramener. Ouais, ça te le remet direct dans ton... Tu peux le récupérer direct, mais... Direct dans ton inventaire. Pas facile. T'as des cordes, sur toi ? J'en ai plus là. J'en avais que une. Ok. Et elle est... Bah elle est dans le coffre. Okay. Ouais, j'ai ah rangé. Bon, non ? Je le vois pas dans le coffre, comment ça se fait ? Alors, tatatitatata, oui, oui, je le vois. Ok, ah non, donc c'est un inventaire, il a... faut peut-être que je le mette dans le stockage. Ah, oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Mets-le dans le stockage. Je refais la même, voilà. Là, tu la vois. Et du coup, voilà, je la vois, ok, je la prends. Alors, encore deux cordes. Mais attends, on va essayer de faire passer la nuit en craftant des lits ensuite. Le lit, il me faut des clous. Est-ce qu'il y a des clous là-dedans ? Je m'en vais, je m'éteins petit à petit. Je suis attends. J'ai bu trop d'eau de mer. Ah ! Oui, bah, tu quand... disais. quand tu vas revenir, ah bah voilà, quand tu reviens, tu es dans un lit là normalement. Surprise. Tu vois, on a un petit lit. Oh, que c'est mignon avec des petites feuilles de bananier et, oui. et un bout de plastique. Okay. Par contre, je sais pas si on va pouvoir passer la nuit avec ça, j'espère que oui quand même, parce que ce serait un peu abusé sinon. Oh là là. Ah voilà, impossible de s'endormir en plein jour et tous les joueurs doivent dormir. Donc, si on craft un deuxième lit, on pourra passer la nuit. Pas mal, pas mal. Ah non, on mais est... là, là, grand luxe, hein. C'est ah bon, bah là. Je sais qu'on va pouvoir vivre pendant plusieurs années là. Hein. Bah là, on met... à la fin, on va avoir une maison, hein. Tu vas voir. Ok, on a deux lits. C'est le gros, gros luxe. Mais d'où tu viens pas, toi ? Et le requin ? Ah ! Moi, je voulais attraper le truc là-bas. Attends, à mon avis, il va réussir à le casser, mais... Ouais, bon, c'est pas grave. Oh, purée, le bidon qui est passé, là, je le voulais. Franchement, j'étais à deux doigts de l'avoir. Attends, viens, on essaye de dormir. Viens, on essaye de dormir. Bah oui, le soleil n'est pas encore couché, désolé. Ouais, on va y arriver, on va y arriver. Comme ça, au moins, on pourra... Parce que la nuit... Bonne nuit. Impossible de s'endormir en plein jour, il me dit encore. Vas-y, on va attendre. Je vois le... C'est bon. Eh, on serait pas en train de devenir des pros, un peu ? Alors. Voilà. Ça y est, c'est l'aube. Voilà, magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, regarde, il y a une. Il y a encore un truc là-bas. Comment je répare le petit bout de radeau là qu'on a tout cassé ? Oui. Alors, est-ce que t'as un marteau sur toi ? Non, mais ça peut s'arranger. Alors, crafte-toi un marteau et ensuite tu pourras. Bon, j'ai réparé un petit bout là aussi. Il me manque de la corde. Est-ce qu'on va manger un jour dans ce jeu ? Dévo. Qu'est-ce qu'il y a ? La corde. Va dans ton inventaire. Oui. Va dans l'onglet des clous. Tu peux crafter des clous et de la corde. Ce qui fait que là, j'ai 11 cordes sur moi. En fait, la corde, c'est avec, ah, c'est avec les feuilles. C'est avec les feuilles. Moi, j'en ai pas parce que j'ai tout déposé. Mais mais du coup, bon, voilà, c'est. Bah, on sait comment mieux. Faire. Ah oui, clairement. Alors, ah, j'arrive pas à est-ce qu'on ne deviendrait pas des pros ? Oh, mais oui ! Il se passe un truc. Cool. Mais non, mais c'est vrai ! Attends, du coup, logiquement, regarde ce que je peux faire. Oh là là, mais là. Là, ça va être grand luxe, là. Oh là là. Voilà, et donc là, normalement, placer. Est-ce que je peux mettre ma pomme de terre ? Je peux placer ma pomme de terre et je peux placer des planches. Là, voilà ! On sait des frites ce soir ! Ce soir, exactement. Des frites pour la Belgique ! C'est ça ! Ah oui, parce qu'au moment où on tourne ça... Des frites belges ! Oui, au moment où on tourne ça, ce soir, il y a quand même le match France-Belgique. Voilà, je dis, exactement. Ça, et on dira pas pour qui on est. C'est un peu la France quand même, peut-être. Oh, tu sais, moi, le foot, hein. Oh, même pour la Coupe du Monde ! Bah, j'ai dit, hein, je regarde le match de la Coupe du Monde quand la France est en finale. On est en finale ? Non. Pas encore. Bientôt. Pas pour le moment. Ouais, donc bientôt, j'ai encore de la marge. Oh, elle a l'air bonne cette petite patate là. Moi je vas-y, bouge vas-y. La patate direct. Hein. Vas-y, prends-la. Encre jetable. Oh. Il est galant. Établi. Hein. Il m'a quand même donné la patate. Bah oui, t'as droit à la mange prendre. Mange ta patate, c'est bon. Oh, j'ai mon petit gobelet voiles. Aussi. Mais attends, mais on peut faire des étagères. Oh là 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 là. En fait, il faudrait qu'on arrive à faire un établi. Avec un établi, on pourra peut-être avoir des nouveaux objets à fabriquer. Je sais pas si l'eau était empoisonnée. Attention, requin. Ouais, je l'ai vu. C'est bon. Alors, je vais aller faire mon petit marteau. On en était là. Voilà, tu fais ton marteau. Il me faut de la corde, donc il fallait que j'aille en fabriquer. C'est ça. Je vais fabriquer de la corde, voilà. Ensuite, je vais récupérer masse de... Voilà, il masse me de manque un petit bout ça. De corde. On doit avoir ça là-dedans. Oh, vas-y. Je crafte. Parce que moi, j'ai récupéré des plans aussi pour après apprendre à faire d'autres trucs. Mais par contre, les filets, tu vois, c'était un truc qu'on pouvait crafter facilement, je me rappelle, dans la bêta. Et là, j'ai l'impression que c'est pas dispo. Peut-être que c'est... peut-être qu'ils l'ont enlevé parce que c'était peut-être un peu trop cheaté. Ou bien, peut-être que c'est plus tard. Je sais pas. Canne à pêche, il nous faudrait des cordes aussi. Ouais, canne à pêche, moyen, on fera ça aussi. Plancher et cordes, là, on peut... Enfin, toi, tu peux quasiment, je pense. Moi, il me manque... Il me manque trois cordes. Pour faire quoi ? Pour faire le marteau ? Tiens, regarde, c'est bon, je t'ai fait un marteau, tiens. Vas-y, moi, je me suis une petite pagaie. Bah, j'ai un marteau déjà. Ah, bah ça m'en fera un nouveau. Le tonneau. Ok, alors est-ce que tu as le. Donc maintenant avec le marteau, tu t'approches des bords. J'ai pas assez de plastique. Ah bon, bah voilà. Mais du coup, grâce à ça, ensuite, tu peux améliorer ton radeau. Et normalement,
Barre-toi! Barre-toi! Oust! Et normalement, on pourrait même faire des murs, je crois, à un moment, mais je sais plus. Comment on fait, mais ça doit être jouable de faire des murs, faire des étagères. Ah bah, je pense que oui, après, on va finir dans un palace, hein. Là, on est... Oui, là, c'est le début, là, c'est pour ça. Sur une petite construction, mais bientôt, vous allez voir, on va être sur un petit palace. On va vivre tous les deux, on pourra faire cuire des petites patates, on va faire dodo sur nos palmiers. C'est ça. Non, mais je pense qu'après, je sais plus, il me semble que, tu vois, dès qu'on aura l'établi, on devrait pouvoir faire des, normalement, des plus gros trucs, je pense. J'aime bien comme ça s'accroche. Ouais. C'était quand même galère au début, hein. On s'en est... Là, ça commence à venir gentiment, mais je t'avoue qu'à un moment, je me suis dit, on va pas s'en sortir. Hein. Ouais, non, mais c'est les débuts. Il faut du plastique et du palmier, là. Pop. Venez par ici, là. Hop. Bah, vous, là. C'est vrai que ce serait plus pratique d'avoir les filets, quand même. Les filets, c'était bien sympa. Ça, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas testé. En gros, tu sais, genre là, tu vois, on pouvait faire une ligne de filet, et en gros, tout ce qui passait dans le filet, et on l'avait automatiquement. Ah, ça, c'est pas mal. Ah ouais, mais peut-être que c'était... Raté. Ah, peut-être que c'était trop cheat, je pense. C'était trop cheaté. Par contre, le requin, il est vraiment très très présent. Moi, je pensais que c'était que de temps en temps, mais le truc, tu vas dans l'eau deux secondes et c'est fini, quoi. Il faut bien un peu de difficulté. T'as piqué ma feuille. Oui, désolé. Enfin, t'étais un peu à côté, quand même. T'étais un peu... Excusez-moi, hein, mais je constate. Ah, le requin. Oui. Donc. J'ai vu. Attends, je vais poser la petite patate, là. Ouh là là, attention. Là, je vais poser un gros truc. Voilà, derrière toi. T'as posé encore. Oula! Un établi, et donc normalement. Attends, je veux les feuilles! Vas-y. Inventaire. Crochet en métal. Comme le crochet en plastique, mais en mieux, il est plus rapide, plus puissant. Trop tard. Lance en métal, ça fait plus de dégâts. Le pinceau pour donner un peu de couleur à votre radeau. Canne à pêche en métal. On peut mettre des couleurs arc, et tout. Trop beau. Faire plein de choses. Des jumelles, une hache. Je regarde un petit peu de tout. Des lanternes. Une horloge. Ah, des lanternes! Ah, les lanternes, ça peut être pas mal pour la nuit, si on peut éventuellement voir quelque chose. Il faut planches et ferraille. Ça va, je vais le faire. Ah, les filets, ils sont là, les filets de récupération. Il a trouvé ses filets. Ah ouais, non, mais il est trop à fond. Il est à fond, là. Oui, ça va nous changer la vie. Mais tu te rends pas compte, ça va nous changer la vie. Je te crois. Attends, tu vois, je vais nous faire tout ça. C'est le crafter de... Ah bah, j'ai joué à Minecraft. Ça s'entend, ça sent. On sent que oui, là, t'es à fond, là. Sans expérience. J'ai fait ma canne à pêche. Ah, je sais même pas à quoi ça sert. Enfin, sûrement à pêcher du poisson, mais. Bah, je sais pas, je vais tester. Est-ce qu'il faut un appât ou pas? Moi, je voulais absolument. Oh, oui! Quoi? Bah, je crois que j'ai pêché un truc. Ah, bah bien! Oui, j'ai un poisson! Bah, voilà, tu peux le faire cuire. Et m'a remboursé ma patate. Ouais, j'ai remis une patate à cuire. Ah bon? Oui. Bon, je vais aller la prendre. Je suis trop fier de moi. J'ai pêché mon premier poisson. Mais en vrai, il doit y avoir moyen de faire un truc avec le requin, parce qu'il y a l'appât à requin. Donc, ça doit. Ça doit servir à quelque chose. Ça doit pouvoir se manger, ces bêtes-là. Ça reste du gros poisson, moi. Oui. Hop, voilà, je me réveille. Petit poisson. Et, ok, on va choper ça. Oh, je vais bien travailler pour toi. J'ai trouvé quoi faire, moi je suis contente, je suis avec mes petits poissons et tout. Tu pêches tranquillement. Moi je dis, attends, je vais essayer vraiment quand même de choper les filets, parce que tu t'imagines pas à quel point c'est cheaté le filet. Ah, il vient attaquer là. On va protéger un peu la zone. Minimum. Ouais. Oh, il y a deux tonneaux là. Attends, il y en a même trois. C'est vrai? Ouais. C'est la vie. J'en ai eu un. Là, je commence à être la pro du tonneau là. C'est bon. Il y en a un autre qui arrive en plus. On va être très très bien. Ouais, mais là on va être. Viens là, gros tonneau. On va être nickel. C'est moi qui l'aurai. Pas du tout. Raté. Attends. Ah. C'est moi qui l'ai. C'est bon. Non. Ah bah si. Ouvrir. Est-ce que cette fois. J'aimerais bien agrandir le radeau histoire qu'on ait vraiment de la place pour se déplacer là. C'est d'agrandir un peu tout ça. Viens là toi. Tiens, vas-y, viens. Je te montre un peu. Vas-y, montre-moi. Je suis bientôt en train de mourir donc je vais sûrement mourir pendant que tu m'expliques ce qu'on fait, mais dis-moi tout. Tiens, attends, regarde. Vu que c'est toi qui filmes, tiens, prends les cordes que je te donne. Oui. Et ensuite, va dans le livre. Oui. Et mets les cordes à droite dans le petit emplacement. Et en fait, ça va déverrouiller tous les crafts avec la corde. Tu fais étudier. Et là, normalement, on devrait même pouvoir crafter normalement mes filets. Vous avez appris filet de récupération. Yeah. Parfait. C'est génial ça. Ah ouais, donc ça nous apprend des choses. C'est moi qui commence à pleuvoir là. Ouais, j'étais en train de dire, il n'y a pas un problème là. C'est la première fois que je vois ça. J'espère qu'il n'y a pas y avoir de. Gobelet, grille de cuisson. Purificateur, petit carré de terre. Bah oui, parfait, il y a tout qui vient. Lissam, filet de récupération. Alors, il nous faut de la corde et des clous. Je peux faire de la corde. Vas-y, attends, je vais déposer le poisson dans le... Tu t'es endormi, c'est normal. Bah, c'est pas que je me suis endormi, c'est que je suis en train de mourir gentiment. Ah, t'es morte. C'est vrai qu'on, pour l'instant, on s'est pas encore bien occupé. On s'est pas bien occupé de nous tout court. Là, j'ai l'impression que la tempête est en train de se lever en plus. Oula, oh, j'aime pas quand ça tangue. Attends, je sais peut-être ce qu'il faut faire. Attends, je sais pas si c'est ça qu'il faut faire, mais
J'ai fait... Ça y est, c'est la fin. Attends. Je suis sur le bord du radeau. J'agonise. Encre jetable vous permet d'ancrer votre radeau. Ne pas l'utiliser qu'une seule fois. Je voudrais l'ancrer, mais je sais... Voilà. J'ai mis l'encre. Je sais pas si ça va nous aider à quelque chose. J'en sais rien, ça c'est nouveau. D'accord, bah peut-être, écoute. Peut-être que ça va nous éviter de trop tanguer, je me dis. J'espère. Peut-être. J'espère. On va voir. On verra bien. Vas-y. Voilà. Et normalement, avec un peu de chance, ça va nous faire passer, j'espère. Pas du tout. Pas du tout. C'est toujours alors, la tempête. Si ça se trouve, en fait, on est pile poil dans la tempête. Ah, c'est possible. Et Ah ouais. Bon, j'enlève l'encre au pire. On va voir. Bon, on se laisse porter, hein. Tant qu'il n'y a pas de kraken qui débarque ou de genre de bête, tout va bien. Oui, c'est ça. Ça devrait aller. Attends. Non, normalement, il n'y a qu'un requin. Hein. J'aime bien. C'est le seul requin. Il nous suit partout. Il attend de nous manger. Il est tout seul. Mais il est là. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a qu'un requin. Oui, j'ai compris. Je peux pas avoir l'objet. C'est les objets ou c'est nous qui sommes figés? Bah, ça peut pas être nous, j'ai enlevé l'encre. Je sais pas parce que je vois le requin qui se déplace donc. Non, ça a l'air d'aller. Moi, je les vois plus avancer, les objets. C'est très bizarre. Oh, c'est bon, écoute, vas-y. Là. Tranquille. Je vais me le manger. Je suis pas très poisson, hein, mais alors là, je peux vous dire que perdu sur mon radeau, c'est le meilleur des repas. Hein. Ah ouais, là, t'as faim, tu manges. Ah, je les veux bien, s'il te plaît. Ah, attends. Alors, je te dépose ça. Voilà, livraison de cordes à domicile. Pars-toi. Bon, c'est déjà chez moi. Ouf. Bon, il est parti. Où est-ce que c'est? Bah, dans le... c'est là, c'est en train de glisser, c'est en dessous. Bah, c'est plus là, c'est tombé. Non. Ça a tangué, c'est tombé dans l'eau. Tristesse. Le temps que tu te battes avec le requin, on a perdu. Ouais, j'ai essayé de sauver le radeau. Par contre, ouais, regarde, ça n'avance plus. Hein. Bah, là, alors, on est un peu perdu au milieu de nulle part, il va falloir qu'on aille se baigner pour récupérer les ressources bientôt. Ça fait ça. On est piégés au milieu de l'océan, on va tous mourir! On va tous mourir! Donc on était bon, bien immobilisés. Mais là, normalement, du coup, on va pouvoir avancer. Normalement. Oui, c'est bon, les objets reviennent. Ah! Attends. L'eau, comment tu as fait? T'as mis ton gobelet? Bah oui, regarde, j'essaie de le verser dedans, mais rien à faire. Il est rempli d'eau, là, le gobelet ou pas? Bah, je sais pas. Vas-y, va le remplir d'eau. Remplir d'eau. Voilà. Voilà, et ensuite, tu viens l'amener ici. C'est ce que j'ai fait. Ah, voilà. Là, c'est bon. Nickel. Alors. Moi, je mange du poisson. Et on sait quand l'eau est prête ou pas? En général, je crois que c'est quand le feu s'arrête. D'accord. Je suis pas sûr, hein, mais ça me paraît très logique. J'ai beau avoir bien mangé là, ma vie encore est au bout de. Hein, pas très très bien là. Ouais, pour l'instant. C'est dur, hein. Au début, c'est assez dur. Mais après, en fait, parce qu'il y a d'autres trucs que je t'ai pas encore montré, mais il y a des trucs du genre. On peut crafter, si tu regardes dans les crafts, on peut crafter tout en haut des petits carrés de terre. D'accord. Ah, et en fait, là-dedans. Des petits radis, tout ça quoi. Voilà, après, on va pouvoir faire cultiver. On en a de la chance, on va pouvoir se faire des petits radis. Je suis un peu dans le noir là. Est-ce que... Ok, normalement, on a bien avancé. On a quand même un petit peu avancé, tu nous as fait un petit ponton là. Oui, alors en fait c'était pour te montrer l'exemple des filets et aussi pour qu'on pêche pas au même endroit. Alors, l'idée c'était de mettre des petits filets ici pour attraper tout ce qui passe. Exactement. Moi j'ai agrandi un petit peu à l'arrière là, histoire que ce soit pas collé. Donc j'ai mis des petites planches là, j'ai déplacé le lit. Voilà, il commence à se passer des choses intéressantes. Regarde, tiens. Je vais en poser un là et un autre là. Donc l'idée... Ah, requin. Ah. L'idée c'est d'avoir... Moi je le tape au marteau moi, bim. Ah non, j'ai plus ma hache. Ah bah il va casser le truc. Adieu. Bon, heureusement que c'est pas là que j'ai posé le truc. L'idée... Normalement, par exemple, tiens, regarde, le tonneau, ça devrait marcher, je pense. Le tonneau devrait y passer. On va voir, est-ce que le tonneau devrait rentrer dedans, normalement. Voilà. Ah, trop bien. Et donc, on va nous... Par contre, ça va nous récupérer. Alors, attends, pas forcément. Pas forcément. Le tonneau... Mais, en fait, peut-être que ça peut se stacker, je sais pas. Je pense que ça peut se stacker. À l'époque, ça se stackait, en tout cas. C'est stylé. Mais tu vois, l'idée, c'est après, t'arrives et tu récupères tout d'un coup, quoi. Carrément plus intéressant, quoi. Mais voilà, donc ça avance, quoi. C'est stratégique. Non mais là je pense, et si on allait se coucher? Parce que moi je suis un peu fatiguée là. Oui, on va aller dormir. Allez, au dodo, voilà. Parfait. Je me suis mis juste à côté de Sif, comme ça si jamais il se passe un truc. Par contre, moi je suis près du... Il s'est mis sur l'île plus sécurisée, hein. Moi je me fais pas par aucun, il n'y a aucun souci, voilà, vous retiendrez. J'ai pas fait gaffe. Je suis désolé, c'est une maison. Moi je peux mourir pendant la nuit si jamais t'entends... Oh, nom, nom, nom. C'est que c'est fini. Non, t'inquiète. Oui. Oh, c'est trop bien ce truc. Je fais des cordes. Les filets, les gens, c'est la vie, hein. Ah, t'as vu? Et du coup, ça en stack plusieurs. Ouais, c'est vraiment pas mal. Là, on est bien, là. Tu commences à comprendre, tu commences à me sentir à l'aise, il se passe des choses. Ah non, mais le jeu est vraiment cool, hein, quand tu le prends en main, après, il est... Oui, c'est ça, je voulais faire un filet, moi aussi. Donc, pas un filet, il manque de la corde. Si t'as moins... Ah, j'en ai. T'en faut combien? Bah, tout le max. T'en as une. T'en as à tes pieds aussi. Alors, où est-ce qu'on en est? Tac, tac, tac. C'est bien. Ça avance, écoute. Tiens, regarde, attends, je t'en donne encore une. Elle va atterrir juste devant toi. Voilà. Livraison de cordes à domicile. Fais gaffe, toi. Hein. Ah bah ouais. J'ai un piqué. Hein.
J'ai un pic-pic si tu nous embêtes le requin, hein. C'est fini là. Ah c'est vrai, t'en as un toi aussi maintenant? Bah oui, j'en ai fabriqué un là, comme ça on est deux à défendre si jamais il veut nous manger notre truc. Et après on pourra aussi apprendre les pic-pic les pic-pic. J'aime trop. C'est ce que j'allais dire, j'ai dit ça y est, il commence déjà à prendre mes expressions. Tu veux un pic-pic? Tiens, j'ai trois bouts de corde, mais on pourra en faire un en métal je crois, et du coup ça fera beaucoup plus de dégâts. Tiens voilà tes derniers bouts de corde. Merci, je vais aller me faire mon petit filet. Alors je vous montre. Voilà. Ça. Salut toi. Ah bah je verrai pas, je suis mort. Bah est-ce que là qui s'est mis à côté. Voilà, donc faire après. Ça, hein, pour se sentir bien, je vais faire ça. Hein. Ouais, après tu t'en mets tout dans l'alignement, tu vois, comme ça, là, même de l'autre côté. Un peu alors partout, là, voilà, du coup, ça fait un radeau géant et. Mais en fait, faut dire que c'est. En fait, ce jeu, c'est une sorte d'usine version nature. C'est-à-dire qu'à terme, au début, tu le démarres, c'est vraiment la galère, mais après, au plus tu vas te développer, au plus ça va aller vite. Ouais, bah là, j'ai remis un petit bout de l'autre côté. Oh, parfait. Et puis, on va faire une. Bah oui, un long. Non, et même là, voilà. Tu vois, même nous, parce que même nous, on est comme ça, bah, c'est beaucoup plus facile. T'es en bout, regarde, hop, on peut le ramasser direct, quoi. Ouais, tu peux le ramasser à la main, tu peux appuyer juste sur E. Ah oui. Adieu. Non, dis pas ça. Attends. Voilà. Non, mais c'est pas mal, c'est franchement, j'aurais pas pensé, tu vois, à faire un radeau comme ça, mais là, je sens qu'on... Et ça le mec maîtrise le dossier, quoi. Un petit peu, très légèrement. Voilà, j'ai protégé mon lit, hein, parce que clairement, la nuit, j'ai pas envie de me faire croquer. Ça va aller de plus en plus vite. Et on peut faire d'autres choses, évidemment, après, mais... Pareil, tu vois, on a un peu oublié le... L'établi là, c'est mais. C'est ça, mais on peut réapprendre de nouvelles choses aussi grâce à l'établi. On peut apprendre un. Bon, filet, on l'a appris, mais on peut apprendre. Bah, tiens, on parlait de notamment la lampe torche. Oui, un peu de lumière, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. On peut faire un grand carré. Il attaque, je crois, si tu peux le. Non! Qu'est-ce qui se passe? On se fait attaquer? Il est en train d'attaquer, oh, ouais, non mais. Ça va. C'est bon, c'est remplacé. Ça l'a fait. C'est remplacé ensuite. Ah, le poisson. Reviens ici, toi. Et lanterne, il nous faut juste de la ferraille. Normalement, j'en ai de la ferraille. Alors, ça, j'ai pas, moi. Attends, qui veut manger un petit poisson grillé? Le petit poisson. Je m'allonge quelques secondes, j'ouvre un œil et je suffoque, je meurs à mes blessures. Bon, t'inquiète. Ma dernière bataille de requin a été assez violente. Et le requin, j'aimerais trop qu'on puisse le buter et le cuire. Bah, je pense qu'à terme, on va pouvoir cuire. Ce n'est pas du tout vegan ce que j'ai dit là, mais c'est pas grave. Mais c'est très bon le requin. Quand t'es en pleine mer comme ça et qu'en plus il essaie de te croquer, t'inquiète pas, qu'à mon avis, tout le monde rêve de se faire un petit steak de requin. Ah, t'as pas le choix là. Bah non. Quand c'est lui ou toi. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a c'est quand même bien. Très bien avancé parce qu'on a quand même deux lits, une petite glacière, de quoi faire de l'eau potable, de quoi manger du poisson grillé et apprendre pas mal de choses. Et puis alors là, avec la technique des filets de Siphano, on a plus rien à faire. On peut très bien aller se reposer sur le radeau, faire une petite siestasse et attendre que ça finisse. Ah mais clairement, là, total. Là tu... Total. Mais là, c'est-à-dire que là, je vais même te faire encore un nouveau, là, bientôt. Ouais. Tu vas me ramener un nouveau petit filet. Bah, des deux côtés, hein. Je pense que l'autre côté mérite aussi d'avoir ses petits filets. Ah bah oui, à terme, de toute façon, il faut en faire de partout. Et puis après, ça fait une énorme usine, radeau, usine à filets, qui te récupère tout ce qui passe, et puis t'as plus qu'à t'asseoir et à te raconter. Et à regarder, à siroter ton petit cocktail. C'est et ça, à siroter ta petite eau douce. Et par contre, moi, par rapport au soleil, faudra quand même qu'on trouve un moyen de nous faire un petit abri, hein, parce que... Tu veux un parasol en feuilles de bananier, ce que tu veux, voilà. Mais... Il y a pas là, mais je vais devoir crafter une lanterne pour la nuit, juste ça, pour peut-être aussi. Voir... Voilà, voir ce que ça pour peut... voir si on se fait bouffer par les requins, super. En tout cas, je vous remercie, je vous fais d'énormes bisous, des bisous à Siphano. Et bah, c'était un plaisir, j'espère que vous aurez apprécié. Bah, bientôt oui, hein. À très vite pour de prochaines aventures. Évidemment, toujours. Évidemment. Donc, ne regardez pas chez moi, hein. C'est un bazar sans nom, là. Je suis rentrée il y a pas longtemps de chez ma maman et j'ai pas du tout rangé derrière moi, donc voilà. C'est aussi le bazar que dans mon radeau. Mais on se retrouve très très vite avec Siphano pour de nouvelles aventures. On fera sûrement aussi des lives ensemble. Donc n'hésitez yes. pas à laisser des pouces bleus si ça vous plaît. Et puis à se retrouver très bientôt. Et n'oubliez pas non plus de trouver un prénom à ce requin. Ah oui, c'est vrai. Plus important ça. Très important. Des gros très, bisous. Très important. Ciao. Ciao.